Yo les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Je sais, il est tard, certainement presque 21h au moment où on sort la vidéo. Mais j'ai pas eu le choix, le temps que je rentre du travail, de la salle, etc. Il est déjà 19h36 au moment où je tourne la vidéo. Faut que je tourne la vidéo, que je fasse le montage, même s'il n'y a pas grand chose à faire. Et derrière l'upload, la miniature, ben tout ça, ça prend du temps. Donc ça sort un peu tard, mais c'est pas grave, l'important c'est que ça sorte. On va partir invoquer sur le nouveau portail sur Dragon Ball Legends. On va en parler rapidos avant. On va évidemment voir vos avis dans l'espace commentaire. Pourquoi j'ai dit on alors que je suis tout seul à regarder? Mais c'est pas grave, concernant ce portail, puisque pas mal de polémiques là-dessus. Moi le premier sur Twitter, le portail est vraiment dégueulasse en dehors des nouvelles unités. Le portail est un portail de 2001, du coup c'est une catastrophe, Dragon Ball Legends. Vraiment, hein, je me répète, mais on le dira jamais assez, ces deux ans sont une catastrophe naturelle, c'est un désastre les deux ans du jeu. Bref, les trois unités qui sont dans le portail sont intéressantes, notamment le Goku et le Vegeta qui sont très intéressantes, malgré la couleur qui est assez compliquée, que ce soit pour le Vegeta ou surtout pour le Goku, mais les unités restent très intéressantes tout de même. Et puis j'ai pas invoqué sur le portail Paikuan, Goku, Kaioken, là, tout claqué au sous-sol, donc j'invoque sur ce portail là. Si t'es free to play, je t'invite à skip ce portail, c'est pas un portail incroyable pour tout le monde, donc skip. Si t'es un petit cash player, skip. Et si tu veux vraiment les persos ou que t'as un peu plus envie de t'investir et de mettre de l'argent, tu peux invoquer. Mais sinon, dans les autres cas, pour moi, c'est un skip selon les cas que je viens de te dire ici. Si j'étais pas un youtubeur aussi, je pense que j'aurais éventuellement même skip ce portail aussi. Bref, sur ce les gars, on va aller sur le portail. Évidemment, si c'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un pouce bleu sur la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Pense à t'abonner à la chaîne si t'es pas encore abonné. Suis-moi sur les réseaux sociaux aussi, Snapchat, Twitter, Instagram, tout ça dans la description évidemment. Et donne-moi un petit peu les poules que tu as pu obtenir sur ce portail, en espérant que tu aies eu de la chance, puisque les persos hors détecteur puent totalement la merde. Voilà, bref, j'ai fait la single ce matin à 20, j'ai eu un Sparking, j'ai cru avoir de la chance et que j'aurais un Goku Vegeta. Non, j'ai eu le Trunks rouge, qui est pas dégueu, hein, mais bon, voilà, pour avoir un Sparking, pour une fois en single à 20, je me suis dit, au moins donne-moi des persos favoris de la bannière. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave, je me plains quand même pas, on a eu un bon perso. Bref, les amis, on est parti, let's go, on va claquer notre première multi-invocation. Alors juste pour te montrer à quel point vraiment le portail est pu, hein, on va quand même regarder. On a le nouveau Goku qui est rouge, on a le nouveau Vegeta qui est bleu, qui est violet, pardon, le Trunks qui est intéressant, qui est rouge, et tout le reste c'est des persos qui sont vraiment dégueulasses. Voilà, qui sont des années 25. C'est dur pour un portail qui est estampillé deuxième anniversaire, hein. Regardez, il y a écrit second anniversary rising, c'est un Legends Rising finalement. Donc c'est un portail estampillé deuxième anniversaire, c'est quand même assez triste, voilà. Bon, ceci étant dit, les deux nouvelles unités comme je viens de te le dire et le hit extrême, je ne sais même pas ce qu'il va faire refaire, mais je pense que je ne le jouerai certainement pas, mais il doit être certainement intéressant comme les trois quarts des extrêmes qui sortent récemment, mais les deux nouveaux Sparking le sont aussi. J'espère avoir le Goku en priorité parce que j'aime bien sa cover en strike qui est pas mal stylée, mais le Vegeta a priori est aussi très intéressant à jouer, mais à choisir je préférerais dropper le Goku. Bref, si j'en drop un des deux. On est parti les gars, première multi-invocation, let's go, on va espérer avoir de la chance, bamos, surtout que ce sont que des cristaux free-to-play là que j'ai farmé à droite et à gauche, le PVP, tout ça, donc j'espère eh bien qu'on va être récompensé de ce farming intensif, sachant qu'on a une nouvelle saison PVP avec 2000 cristaux à les récupérer. Je sais pas si elle dure 3 semaines encore celle-là, mais en tout cas, il y a 2000 cristaux à les récupérer. Allez, 3 capsules, Super Saiyajin. Ce bleu, c'est pas sexy tout ça. Allez, allez, allez. Vegeta? Pas du tout. On commence sur une belle multi de merde, certainement. On peut avoir un fake out, on peut avoir un fake out, on sait jamais. On a espoir, on garde espoir, les amis. Rien n'est jamais perdu dans les multis sur Dragon Ball Legends. Évidemment, tu le sais ou pas. Allez, allez. Réserve-nous une surprise. Sauzer, t'en fous? C16, on s'en fout. Bijita, on s'en fout. Kamessénil, on s'en fout. Bon, allez, on peut skip. On est parti sur une première multi inutile. Plus que 5, déjà, j'ai envie de te dire. Et cette première multi ne nous a pas vraiment rassuré. Allez, on enchaîne. Deuxième multi invocation sur le portail. S'il te plaît, le jeu, sois gentil et donne-moi un des deux nouveaux Sparking. 3 capsules de nouveau. Hein, on a abonné aux 3 capsules. Il paraît que pour avoir plus de 3 capsules, il faut acheter
le DLC pour la modique somme de 89€, évidemment. Encore le lycée bleu, bon bah ça sent la deuxième multi sans rien. Attends, le taux de drop il est pas passé à 10% là, à ce qui paraît hein. Faut que j'aille regarder sur le portail là. On va skip hein, parce qu'on a rien du tout, on le sait très bien. On enchaîne sur une deuxième multi de merde. Attends, vérifie quand même. C'était que pour l'anniversaire que le taux de drop était passé à 10% ou... Non, non, il y avait un taux de drop de 10%. Ah, très très bien, très très bien. Merci. Merci, un bon anniversaire Dragon Ball Legends. On enchaîne, troisième multi-invocation. On est sur deux multi-invocations sans rien. Ah, on a un téléchargement des familles qui viennent pop. Ça, ça m'excite. Ça m'excite fortement. Allez. Allez, s'il te plaît. Toujours 3 capsules, hein, je t'ai dit, on peut pas avoir plus de 3 capsules. Super Saiyajin, comme sur la première multi. Ok, ça se fight. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Extrême garantie. Ah, la sparking, gros. Ah, gros, c'est terrible. Mais c'est quoi ces multis dégueulasses? C'est quoi ces multis de merde qu'on se tape? 3 multis, 0 sparking. Taux de drop 10%. D'accord. Ok, Dragon Ball Legends. Ok, je sais que je t'ai critiqué, mais t'es pas obligé de me filer quand même une multi de merde. 3 multi de merde sans aucun sparking dans un portail à taux de drop à 10%. Je te le dis, je me demande à quoi a servi le téléchargement en bas à gauche hein, de tout à l'heure. Pour nous filer ça, il me fait rien avoir. Oh, 5 capsules, exceptionnel. 5 capsules. On a step up, on est passé de 3 à 5. C'est magique. Bon, va-t-on avoir un sparking dans cette multi-invocation? Mec, tu te rends compte qu'on a eu 4 fois la même animation quasiment? On a eu l'animation où Goku se fait latter la gueule. Mais gros, on a 0 sparking, c'est quoi cette vidéo-invocation claquée? Bon, mais il nous reste 2 multi. Bon, on aura vécu un bon moment, un moment sympathique. Sans aucun sparking à se mettre sous la dent, qu'est-ce que tu veux que je te lise? Bon, téléchargement, mais bon, tout à l'heure, on a eu un téléchargement pour des extrêmes et des héros, mec, donc au bout d'un moment... Suu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 u
Ah, j'y crois plus là. Oh mon dieu, mais ce portail de mort, pourquoi j'ai invoqué sur ce portail dégueulasse? Pourquoi j'ai invoqué sur ce portail dégueulasse? Pourquoi? Pourquoi ai-je invoqué sur ce portail dégueulasse? Pour avoir aucun nouveau sparking en 6000 cristaux. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ben les gars, j'espère que vous avez eu plus de chance que moi. Je pense que c'est pas très très compliqué, à vrai dire. Comme on dit chez nous, longue vie et Nikomouk. Voilà. Sur ce, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Pense à lâcher le pouce bleu. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hein. Je voulais bien tester un des deux personnages, mais pour ça, il faut les dropper. Biscuits love peace. Ciao.